Les podiums se suivent et se ressemblent pour François-Frédéric Navarre. Une nouvelle fois, le pilote de Santo Petro di Tenda a imposé sa loi. Hier, au volant de sa Skoda Fabia R5, il a remporté les 6 spéciales. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez douté ? Non, douté avant le départ, comme il y avait une nouvelle spéciale. Ensuite, à l'arrivée, donc, j'ai vu que j'étais déjà premier, donc franchement, après, c'est allé. La confiance est revenue. Même si Navarre a dominé son sujet, le rallye du Nebbio offre toujours autant de spectacles. Derrière, la bataille a fait rage et les prétendants de valeur ne manquent pas. Le principal d'entre eux, c'est Jean-Marc Manzagol. Le Bastiais termine à la deuxième marche du podium à 21 secondes et 6 centièmes du vainqueur. J'étais carrément intouchable aujourd'hui. Je le félicite vraiment très sincèrement parce que c'est une vraiment très très grosse performance. Puis il y a toujours l'année prochaine. Il y a toujours l'année prochaine, bien sûr, on ne va pas s'arrêter de suite. Et puis Navarre sur les roues du Nebbio est impressionnant, mais le pilote l'a déjà annoncé, en 2019, plus de WRC. Il prendra le départ avec une plus vieille voiture pour, dit-il, s'amuser et peut-être laisser la place aux autres.